por las venas, es agua pura que me corre por la piel. Es como venas en una galaxia entera, ella está allá en mil colores, hay mil pueblos en su piel. Es la fusión perfecta y justa de mi tierra, ella es la unión entre el amor y el desamor. No, el eslabón que le faltaba a mi cadena, ella puede con mi vida, es el volcán de mi pasión. Báilame muy dentro de mi corazón, enamórame en un mundo de superstición. Lávame en tus ríos de calor, de amor, que en tu pecho de estrellas yo caigo. Negra o blanca, blanca o negra, pero siempre consentida, la mujer tiene un mi vida, ella es magia de deseo que me envuelve y que me hechiza. Non, non, Madame Bernarda, non. Ce n'est pas ce que vous croyez. Écoutez, ce sont juste des bêtises. Je jouais seulement avec David. Je voulais le réveiller et regardez, voilà, c'est fait. N'est-ce pas, David? Oui, oui, oh, grand-mère, oui, oui. On verra avec le temps, Isabelle. Qui suis-je pour te juger? Ce qui doit être sera. Et si ton destin est d'être aux côtés de Miguel, c'est bien. Si c'est ça qui doit te rendre heureuse, ça rendra aussi heureux mon adorable arrière-petit-fils, hein? C'est ce que tu veux, n'est-ce pas? Oh, qu'il est beau! Bonjour, je peux entrer? Mais combien de temps j'ai dormi? Oh, entre, Félicité! Attention à la porte. Aïe! Vous avez bien dormi, beauté. Ah, oh, bien, merci. Mais je suis gênée, je me suis endormie. L'avion a eu du retard hier soir, j'ai même pas pu voir Ray. Tu sais où il est? Il dort encore? Eh bien, je ne sais pas. Je crois qu'il est parti faire du jogging tôt ce matin. C'est ça, oui. Du jogging? Ray déteste se réveiller de bonne heure. Ah. Il n'a pas dormi à la maison, c'est ça? Non, ma chérie. Mais non, 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 t'inquiète pas. Une fois de plus ou une fois de moins, tu sais. C'est pas si important. Si tu voulais juste boire un verre, tu pouvais aller au club. Non, parce qu'ici, je peux boire. Et aussi coucher avec toi en même temps. Et si je t'ai demandé de me réveiller à l'heure, c'était pour que tu me réveilles à l'heure, Tutti. Mais personne ne t'a obligé à rester là, mon amour. Et je ne t'ai pas demandé de venir. La prochaine fois, n'oublie pas d'emmener ton réveil. Et ne bois pas tout mon whisky, ça évitera de me reprocher de te réveiller trop tard. Tu n'as pas vu mes clés? Les voilà, tes clés. Ah, merci. Et la prochaine fois, il n'y aura sans doute pas de prochaine fois. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on verra. Bonjour. Que fais-tu ici si tôt? Eh bien, en fait, je suis ici depuis le lever du soleil pour terminer la mise à jour de l'inventaire. Voici le dossier. Oui, 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 c'était urgent, mais il ne fallait pas, Isabelle. Ça m'a l'air impeccable. C'est vrai? Oui, c'est vrai, oui. Oui, bien sûr, écoute. Je suis vraiment surpris, tout est en ordre. Bon, si vous êtes tellement satisfait, une petite augmentation de salaire serait idéale. Madame Vélez, vous n'avez pas compris que vous êtes aussi l'un des principaux actionnaires de cette compagnie. Merci beaucoup. Est-ce que vous comprendrez que je ne veux rien de tout ça? Je fais tout simplement mon travail et mon salaire est la seule chose que je mérite. Le reste ne m'intéresse pas.
tout est parfait. Mais j'aimerais que vous me compreniez bien, madame. C'est pour David que vous devez veiller à prendre soin de vos intérêts dans l'entreprise. Oui, c'est vrai. Mais seulement si cela est nécessaire. Expliquez-moi une chose, madame Velez. Comment je fais pour ne pas tomber amoureux de vous? Comment faire pour ne pas tomber amoureux de votre sourire, de votre tendresse, de votre gentillesse, de votre altruisme et de votre sincérité? Hein? Dis-moi, Isabelle, comment je fais pour ne pas t'aimer? Dis-le-moi. Mais c'est vrai, Trinidad. Je te l'ai dit. Je n'ai rien à voir avec cette femme. Candela est la femme de Chuo. Et moi... Toi, tu profites de cette situation. Et ça, c'est très intéressant, pas vrai? Mais peu importe que ce soit la femme de Chuo ou non. Avant, elle était la femme d'Ephraïm. Et pour ce que j'ai vu, moi, de cet endroit et de la façon dont elle te traitait, mais toi, ça ne t'arrête pas. Je suis fatiguée de tes mensonges, Jean de Trinidad. Trinidad, ce n'est pas ce que tu crois. Je ne suis plus le même. Et je veux être avec toi. Et qu'on retrouve la vie que nous avions avant. Bien sûr, et avec ta maîtresse non. aussi. Non, Trinidad, non, non. Qu'est-ce que tu veux? Si tu veux, demain, je lui demande de partir. C'est ça que tu veux? C'est ça qui va te tranquilliser, te rassurer? C'est ça que tu veux, hein? Allez, ma chérie, demande-moi ce que tu veux, je vais le faire. Allez. Tout ce que je veux. Ce que tu veux, ma chérie, n'importe quoi. Ce que je veux, c'est que tu m'oublies, Jean de Dieu. Que tu m'oublies. Que tu comprennes que Trinidad Guaramato ne veut plus être ta femme. Et qu'à partir de maintenant, je vais m'occuper de ce qui est vraiment important dans ma vie. Mes enfants et ma propre vie. Une vie dans laquelle tu n'as plus aucune place, Jean de Dieu. C'est ça que je veux. Monsieur Aristigueta, j'avais pourtant été très claire. Oui, c'est vrai, je sais. Rien de personnel, tout professionnel. Mais comment est-ce que je peux faire, ma beauté? Comment je fais? C'est bon. Même avec ça, je vais te faire plaisir. Excellent rapport, madame Velez. Merci. Je parlais sérieusement au sujet de mon augmentation. Eh bien, je dois y réfléchir et en parler à mon lit. Pardon, à Monsieur Guétan. Mais comme vous êtes quelqu'un de confiance, madame Velez, et aussi quelqu'un d'efficace, je vais vous demander de faire un autre travail, qui devra être prêt pour demain matin. Il faut faire un rapport sur les achats et les classer selon les fournisseurs et les dates de commande pendant la période que vous trouverez ici. Voilà, il y en a encore d'autres. Mais bon, ça ce n'est rien pour une personne aussi efficace et professionnelle, hein? Mais ça en fait peut-être un peu trop. Bon, très bien. Il va falloir que je le fasse moi-même. Mais ça m'empêchera de demander votre augmentation de salaire. Quel dommage. Non, et moi j'ai... Ah, c'est vrai. Je dois aller déjeuner avec une femme merveilleuse. Comment s'arrange, Isabelle? Tu es un profiteur, un exploiteur. T'es un monstre, Miguel. Madame Velez. Rien de personnel, tout professionnel. Allez, courage. Exploiteur. Et toi, tu es très jalouse. Tu as bien fait, mon cher Miguel. Tu as très bien fait. Je suis en retard. J'aimerais qu'on parle. Alors tu laisses ton dossier et ton sac ici parce que tu ne vas nulle part. Je veux que tu m'expliques, Viviana. Qu'est-ce que tu faisais en voyage avec ce type? Je t'avais interdit de le revoir. Écoute, tout d'abord, calme-toi. Non, je ne me calmerai pas, tu m'entends? J'en ai assez. Je ne suis pas un imbécile, tu es mon épouse. Ah oui? Je suis ton épouse. Non, mon amour. La femme avec qui tu as passé la nuit hier, c'est elle, ta vraie femme. Alors, c'est qui, hein? La Touti?
la China, ou peut-être une petite nouvelle. Attends une minute, ne change pas de sujet, d'accord? Parce que je t'ai dit clairement que je ne veux plus te revoir avec ce climaco. Et je ne dis pas ça à cause de toi, tu comprends? Je dis ça parce que ce type te poursuit. Et personne ne doit me manquer de respect, tu m'entends? Et surtout pas un type comme lui. Tu ne devrais pas me parler comme ça, et surtout pas de climaco. Pardon? Pour qui tu te prends pour exiger ça de moi, hein? Comment est-ce que tu oses venir me faire des reproches alors que tu sors du lit d'une autre femme? Non, 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 Raimundo, tu n'as rien à demander. Non, écoute, écoute-moi, Vivi, tu te trompes. Tu sais, je ne suis pas rentré hier soir parce que... Ah, parce que... Bon, parce que j'étais jaloux, tu comprends? Je ne supporte pas que cette petite racaille soit avec toi. Arrête, s'il te plaît, arrête. Ne me parle plus. Tu sais ce qui est le pire? C'est que je ne peux même plus me réfugier dans ma propre famille parce qu'elle m'a négocié avec la tienne. Mais non, 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 Vivi, c'est pas vrai, je te le dis sincèrement. Tu sais très bien que je t'aime. Mais ce qu'il y a, c'est que je ne supporte pas de te voir avec ce pauvre type, tu peux comprendre ça? Non, je ne peux pas comprendre. Par contre, je veux que tu comprennes que je ne continue plus comme ça, Ray. Je ne me marierai pas à l'église avec toi, c'est hors de question. Je ne veux pas. Ce que je veux, c'est annuler notre mariage. Je ne veux plus rester mariée avec toi. Pourquoi est-ce qu'un type comme toi veut s'approcher de ma sœur? Qu'est-ce que tu cherches, hein? Toi et ma sœur, c'est contre nature! Et tu sais quoi? La petite racaille comme toi doit surtout faire attention à garder son travail pour ne pas devenir plus misérable qu'il ne l'est! Je vais te dire un truc, je suis pas ici pour toi, mais pour moi. Et ce que je ressens pour Viviana est bien plus fort que tes petites menaces! Tu ne verras plus jamais Viviana. Sinon, ce que tu vas recevoir sera plus fort que tes caprices. Parce que les types comme toi n'apprennent qu'avec des coups! Le jeune est en train de discuter. C'est bien. Il faut toujours échanger ses points de vue. Vous devez arranger vos différends, Hannibal. Et toi aussi. Il faut toujours discuter avec les gens. Regarde, je voulais te montrer ça, cette photo. Et c'est ça que je veux, une équipe. Pour Colossal Funchal, pour que l'on sente un esprit de groupe. Avec un slogan qui dirait quelque chose comme ceci. Gagner avec Colossal Funchal, ou dans le genre. Tu crois que c'est bien? Et on pourrait peut-être engager Vino Tinto. Elle serait pas mal pour ça, Vino Tinto, hein? Elle serait même très bien. Ah, alors c'est vrai. Tu aimes cet imbécile? Non, ça n'a rien à voir avec... Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce voyage, Viviana? Réponds-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-le-moi! Mais lâche-moi tout de suite, Ray, t'es fou! Excuse-moi, Vivi. Je ne voulais pas te faire mal. Non, non, non. Je veux que tu restes là où tu es, d'accord? Et tu ne m'approches plus. Et si tu veux savoir, entre Climaco et moi, il n'y a rien. Rien du tout. Mais tu sais le problème qu'il y a entre nous, Raimundo. C'est que tu ne m'aimes pas. Et tu commences à me faire peur. Non, 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 Vivi, je ne veux pas que tu aies peur de moi. Écoute, on se calme, d'accord? Excuse-moi, je suis désespéré, mais... Vivi, mon amour. Je t'aime. Je veux vivre avec toi. Comment peux-tu en douter, Viviana? Je rêve de vivre avec toi, et toi, tu me dis que tu vas me quitter. Non, Raimundo, tu ne m'aimes pas. Si tu m'aimais, tu n'aurais pas passé la nuit dans le lit d'une autre femme. Et tu n'aurais pas non plus embrassé Tutti devant tout le monde. Ce que tu aimes chez moi, ce sont mes actions dans l'entreprise. Non, 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 Viviana, ce n'est pas ça. Je t'ai déjà expliqué pour Tutti. Vivi, la seule femme dans ma vie, c'est toi. Et je t'assure que les actions de Colossal Funchal ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est toi. J'aimerais que tu le comprennes. Je voudrais te croire, Raimundo, mais je ne peux pas. Vivi. Ciao. Vivi. C'est bon. On ne me quitte pas comme ça, Viviana. Tu vas m'emmener à la présidence de Colossal Funchal. Et on va se marier à l'église, ouais. Tu vas voir. Bonjour, grand-mère. Bonjour, Miguel, mon chéri. Une belle fleur pour une autre fleur. Oh, mais quelle galanterie, merci beaucoup. À un moment, j'ai pensé que tu ne viendrais pas. Mais non, mon chéri, je suis désolée d'être en retard, mais je n'ai plus mes jambes de 20 ans. Je dois avouer que ça fait des années que ma jeunesse m'a quittée. Mais en fait, je vais t'avouer que ce rendez-vous me fait me sentir comme une jeune fille qui irait retrouver dans un lieu secret son très bel amant. Je t'aurais attendu jusqu'à demain si ça avait été nécessaire. Excuse-moi, grand-mère, c'est une blague. Bon. Mais je dois t'avouer que je suis très intriguée par cette merveilleuse mais étrange invitation. Tu exagères. Nous avons tellement de choses à nous dire et si peu de temps pour le faire. C'est pour ça que tu es ici.
pour que nous puissions enfin nous parler, loin des oreilles qui traînent partout dans la maison. Oui, oui, grand-mère, tu as raison. Mais on devrait le faire plus souvent. Il y a plein de choses qui se sont passées dernièrement et on s'est éloignés sans même s'en rendre compte. Oui. Ah, Miguel, tu es mon petit-fils et j'ai pour toi une affection toute particulière. Tu mérites d'être heureux. Et si je possédais la potion du bonheur dans une petite bouteille, je te la donnerais. C'est ce que j'ai toujours voulu pour vous tous, pour mon fils, pour mes petits-fils et maintenant pour David. Que vous soyez heureux. Mais Dieu et la vie n'ont pas manqué de me rappeler que c'est un don qu'il est difficile de posséder. Mais grand-mère, que t'arrive-t-il? Pourquoi es-tu si triste? C'est à cause de ma maman? Ou de Raimundo? Avec aucun des deux, mais avec vous tous. Notre famille, comme bien d'autres, n'est pas parfaite. Elle a ses défauts. Mais il faut l'accepter telle qu'elle est. Et je crois qu'il faut lui apprendre à ne pas repousser le bonheur quand il frappe à la porte. Oui, oui, grand-mère. Je ne sais pas comment tu fais pour être aussi sage. Je ne suis pas si sage. Et si c'était le cas, je n'aurais pas dû tenter de m'opposer au dessein du cœur ou du destin, comme dirait Isabelle. Isabelle? Il se passe quelque chose que je ne sais pas. La même chose que toujours. Il se passe que même si l'on cherche à mettre des obstacles à l'amour, c'est l'amour qui gagne. Il se passe que malgré les années, il y a toujours quelque chose à apprendre. Et je devrais... Tu sais... Je dois te dire... Je ne te comprends pas. Miguel, il faut que nous parlions très sérieusement au sujet d'Isabelle. Si vous vous aimez, je ne m'opposerai pas à votre union. Qu'est-ce que tu fais, Isabelle? Oh, j'essaie de faire ce travail horrible. Je classe d'anciennes factures dont ils auront bientôt besoin. Oh, vas-y, montre-moi. Oh, mais c'est impossible à faire. Qui a bien pu te demander ça? Oh, mais tu ne vois pas? L'ogre, l'arrogant, le méchant exploiteur. Miguel. Mais qu'est-ce qui te fait tant rire, Roxana? Il faut bien avouer qu'il est très méchant. Isabelle, regarde la date. Toutes ces factures sont obsolètes. Ce sont des factures de l'année dernière. Tout ce papier est oublié et enterré depuis longtemps. Quoi? Oh, c'est pas vrai. Mais Roxana, ça te fait tant rire que ça? Excuse-moi, Isabelle, mais tu dois avouer qu'il s'est quand même bien moqué de toi. Ah ouais. Ah ouais, alors c'est comme ça. Bon, d'accord. Attends. Tu vas les classer toi-même, tes factures. Espèce de menteur, hypocrite. Oh. Ne me pose pas de questions auxquelles je ne peux pas répondre. La seule chose que je dis, c'est qu'il faut que tu suives le chemin de ton cœur. Isabelle est une jeune femme honnête, sincère... Spontanée, belle, fascinante. Je l'aime, grand-mère, je l'aime. Je le vois. Et qui est-ce qui pourrait bien s'opposer à ça? C'est comme ça, voilà. Je veux seulement faire le bonheur de Miguel et David. Et si votre bonheur doit passer par Isabelle, alors qu'il en soit ainsi. Tiens, les voilà tes factures. Tu les classeras toi-même, ou alors tu peux aller les manger avec cette femme si merveilleuse que tu as invitée au restaurant et qui est tellement bien. Oh, il se moque de moi et en plus il s'en va déjeuner avec une femme. Oui, et c'est même moi qui ai fait la réservation. Ce sont tous les mêmes. Et oui, je dois aller déjeuner avec une femme merveilleuse. Oh, ce n'est qu'un petit arrogant et un imbécile. Écoute, je suis sûre que cette femme merveilleuse ne sait pas à quel point elle est arrogant. Je pense que oui. Ouais. Et tu sais qui c'est, toi? Bien sûr. Miguel adore vraiment cette femme. Arrête, Roxana. Personne ne t'a demandé ton avis. Isabelle, Miguel est allé déjeuner avec sa grand-mère, Bernarda. C'est elle, la femme si merveilleuse. Quoi? Oui. C'est Madame Bernarda. Mmh. Mmh. Oh.
Un homme comme ça sait comment rendre une femme heureuse, ma chérie. D'abord, c'est un homme. Hé, Félix, éteins cet aspirateur, s'il te plaît. Ah, merci. Je vais arrêter de crier. Ah, Estella, tu devrais un peu plus te méfier, d'accord? Parce que j'ai l'impression que cet homme te fait beaucoup trop de cadeaux, ma chérie. Mmh. Oui, tu as raison, Félix. Mais cette fois-ci, je ne vais pas me faire avoir. Je vais y aller doucement, calmement. Mm-hmm. Je ne veux pas perdre la tête. Il faut que je trouve une technique infaillible et plus sûre pour traiter mes cheveux et mes boucles. Oui, c'est ça, Félix. Je devrais essayer la technique du repassage. Mm-hmm. Et tu vas m'aider à raidir mes boucles. Qui? Moi? Oui, toi. Je vais d'abord finir de passer l'aspirateur, s'il te plaît. Et toi, tu laisses tes jolies petites boucles tranquilles, Estella. Non, je ne veux pas garder mes cheveux comme ça. Et si tu ne veux pas m'aider à les raidir, alors je le ferai moi-même. Mais c'est injuste, Félix. Tu n'es qu'une fille gâtée, Estella. Quoi? Estella, il te donne rendez-vous, hein? Non. Ah, si ta mère arrive, je préfère que tu le lises, toi. C'est encourageant, Félix. C'est très encourageant. Allez, il faut réduire mes cheveux. Eh bien, je ne connaissais pas cette façon de classer les factures. Tu m'as menti. Isabelle? Mais Isabelle... Isabelle, excuse-moi, je ne savais pas... elles sont de l'année dernière. Je suis désolée, Isabelle, mais... Tu vas voir, c'est la dernière fois que tu te moques de moi. Tu entends, Miguel Aristiqueta, la dernière Isabelle, fois. Isabelle, tout ça fait partie de ta formation. Ce sont les ordres de Monsieur Gaëtan. Attends, éloigne-toi de moi, Miguel. Ne m'approche pas. Isabelle... Exploiteur, menteur. Isabelle, non. Non, arrête. Lâche-moi. Moi aussi, je t'aime, Isabelle. Arrête. Je t'aime. Oh, c'est pas ça que je t'ai dit. Laisse-moi. Eh bien, ça alors. Ah, quel joli tableau. Miguel Aristiqueta. Mais ne vous inquiétez pas, vous pourrez continuer. Je vais être très rapide. Miguel, je suis venue te dire que j'ai accepté le travail et je vais partir à l'étranger pour au moins 3 années. Bien évidemment, j'emmène Valentina. Bonjour, docteur. Bonjour, beauté. Assieds-toi. Merci. Je pourrais renoncer à tout seulement pour t'admirer. Ah, c'est mieux si tu gardes tout et que tu ne renonces à rien. Tu ne penses pas? Comme ça, on en profite à deux et tu m'admires. J'aime surtout les femmes comme toi qui veulent tout. Parce qu'elles nous obligent à toujours et toujours nous battre pour elles. Mais ce qui me plaît, Tabata, c'est que tu m'autorises à t'admirer pour toujours. Qui es-tu, Tabata? Qui je suis? Juste une fille. La question serait plutôt qui je voudrais être. Réponds-moi si tu veux. Bien, enfin, ce que je veux être... Tu sais comme on dit, je veux être quelqu'un dans la vie. Je veux que ma vie soit comme celle des gens très riches. Ah, je veux tout avoir. Mon seul rêve, c'est d'être millionnaire. Ça demande beaucoup d'efforts. Mais une fois qu'on y arrive, il faut profiter de cette vie pleinement. Est-ce que tu es prête à ça? Bien sûr. Quand ça arrivera, j'en profiterai. Et pourquoi tu ne vas pas la chercher? On pourrait la chercher dans mon avion privé. Arrête tes menaces, hein? Écoute, on va en finir une bonne fois pour toutes. Tu ne peux pas décider pour nous deux. Valentina est notre fille et pour tout ce qui la concerne, on doit prendre les décisions tous les deux. Oui, j'en suis sûre, mais j'ai essayé. Mais finalement, tu ne veux jamais ni m'écouter, ni me croire. Tu écoutes juste cette femme. Donc je t'assure que ma décision est prise, Miguel. J'ai accepté le contrat, je pars en Italie. Et j'emmène ma fille avec moi. Ah ouais? Si tu acceptes ce contrat, c'est ta responsabilité. Tu en assumes les conséquences, mais tu ne me sépareras pas de ma fille. Je vais vous laisser seule. Non, Isabelle, reste là. On va profiter d'être là tous les trois pour clarifier une bonne fois pour toutes cette situation. Écoute, Daniel, c'est bon. Gigot, c'est bon.
Viande hachée. C'est bon. Peut-être que Viviana va pas venir. Je sais pas. Hé hey, j'ai désespéré, je commençais à me faire du souci. Qu'est-ce qui se passe? Tu as parlé avec Ray? Ouais, on a parlé. Oui. Alors, qu'est-ce que vous faites? Dis-moi. C'est simple, je lui ai dit qu'on allait divorcer. Quoi? C'est vrai, Viviana? Alors, ça veut dire que t'as plus de doutes et que tu es sûre de toi? Et que tu préfères accepter ce qu'un pauvre gars comme moi peut t'offrir? Non, Climacou, s'il te plaît. Mais je... Écoute. Je vais divorcer de Ray parce que je sais que je dois le faire. Mais pour moi. Pas pour toi, Climacou. Isadora, s'il te plaît, ne mélange pas tout. On est en train de parler de ma fille. Et tu ne peux pas la faire sortir du pays comme ça. On doit en décider tous les deux. Et tu dois savoir que tu ne peux pas voyager avec Valentina sans mon accord. Ah oui, mais figure-toi que j'ai aussi quelques droits, Miguel, et je vais les exercer. Parce que je ne permettrai pas que ma fille subisse ça, le spectacle si déprimant de son père vivant avec cette fille-là. Cette fille a un nom, elle s'appelle Isabelle. Et quoi que tu penses, et que tu l'aimes ou non, c'est la femme que j'aime. S'il te plaît, Isadora, jusqu'à quand tu vas me faire payer le divorce, hein? Je te rappelle que le divorce, c'était ton idée, parce que tu avais besoin de liberté pour ta carrière. Oui, j'avais besoin de temps pour ma carrière. De temps pour m'éloigner d'un mariage qui était une farce. Parce que je vais te rappeler, Miguel, que si quelqu'un a trahi l'autre et a cessé d'aimer l'autre, c'est toi, pas moi. Écoute bien ce que je te dis, ma chérie. Miguel va te quitter. Il va te dire des milliers de merveilles. Et après cela, voilà, bon, il s'en fiche. Isabelle n'a pas besoin d'écouter tes reproches. Et je me rends compte que tu es pleine de rancœur. Et pourquoi pas? Si cette femme est une intruse qui peut détruire le bonheur de notre fille. Ne sois pas égoïste, Isadora. Tu ne parles pas du bonheur de Valentina. Tu parles seulement du tien. Et je te le dis une dernière fois, nous deux, c'est fini. Écoute, Miguel, tu sais ce que je vais faire. Assez. Ça va. Vous avez fini de parler? Bien. Maintenant, c'est à mon tour. D'abord, Isadora, arrêtez de rendre les autres responsables de vos propres erreurs. Et puis, et c'est aussi valable pour toi, Miguel. Toi et moi, nous n'avons absolument aucune liaison. Ok? Et tous les deux, vous êtes les seuls responsables du bonheur de votre fille. Vous devriez y réfléchir au lieu de vous disputer ou de vous critiquer juste pour démontrer qui est le plus égoïste. Bonne nuit. Viviana, je me sens comme dans un match de football. On est en train de se battre pour gagner le match et ça fait un moment qu'on est à égalité contre le Brésil et on se sent très grand et très fort. Et il reste qu'une minute avant la fin du match, et quand l'arbitre siffle une pénalité en faveur de l'adversaire, et... Tu m'as gâché la fête, Viviana. La seule chose que j'ai faite, c'est de partager avec toi mes doutes profonds à propos de mon mariage avec Ray. Mais moi, j'ai pensé que tu étais sûre et que... Non, la seule chose que je sais, Climaco, c'est que j'ai peur. Je me suis mariée avec Ray, et c'est une erreur. Je ne veux pas me tromper à nouveau, tu comprends? Ça veut dire que... Est-ce que ça veut dire que tu n'as plus envie de vivre avec moi? Non, ça veut dire que j'aimerais bien prendre une décision, mais... Je veux que personne ne me mette la pression. Je veux prendre cette décision pour moi. C'est trop important. Je ne peux pas la prendre à la légère. Et surtout, je ne veux pas continuer en ayant des doutes et des peurs. Très bien. Si la seule solution, c'est d'attendre, j'attendrai. Parce que moi, je suis sûr, Viviana, que tes peurs et tes doutes vont s'en aller, ils vont disparaître, et après, tu viendras vers moi. Excusez-moi. Oh, Monsieur Gaëtan vient de s'absenter, mais il n'en a pas pour longtemps, tu peux l'attendre là? Non, enfin, ce n'est pas vraiment nécessaire, mais tu pourras me prévenir quand il arrivera? Isabelle, c'est toi que je veux voir. Il faut qu'on se parle. Excusez-moi. Oui, c'est urgent. Mais je... J'ai besoin de ton aide, Isabelle. Qu'est-ce qui se passe, Raimondo?
J'ai besoin de ton avis de femme. C'est au sujet de Viviana. Ma femme veut me quitter. Tout ça, c'est la faute de mon frère Miguel. Ah, j'adore le champagne. C'est agréable de sentir plein de petites bulles dans la bouche. Mais ça coûte cher. Bon, eh bien, ne t'inquiète pas pour ça. Ne crois pas que j'exagère, mais tu peux demander ce que tu veux. Ne me dis pas ça parce que je vais te prendre au mot. Tu ne me connais pas encore assez. Précisément, je veux en savoir plus sur toi. Je ne sais pas qui tu es. Dis-moi où et avec qui tu habites actuellement, si tu vis seule. Tu veux que je te raconte ma vie? Eh bien, en fait, j'habite avec ma maman, ma tante, mon papa, mon fils. Et avant, j'étais aussi avec ma sœur Barbarita. Non, mais c'est vrai, tu la connais, tu sais qui c'est. Qui? Barbarita. Arrête de faire l'andouille. Ah, non, non, tu la connais pas, non. Elle travaillait il y a longtemps chez Colossal Funchal. Mais en fait, non. Non, non, je ne vois pas. Et en fait, si elle te ressemble, je crois que c'est sûr, je m'en souviendrai. De ma sœur? Non, elle est grosse et laide. Je peux avoir du champagne? Bien sûr, bien sûr. Tes désirs sont des ordres. Mais pourquoi nous faisons ça, Miguel? Dis-moi, pourquoi nous avons besoin d'avoir toutes ces disputes si désagréables? Miguel, tu crois que ça vaut la peine de mettre en péril le bonheur que tu peux apporter à ta famille et à ta fille pour cette fille-là qui n'est même pas capable que l'on... Isabelle est la femme que j'aime, Isadora. Si tu peux le comprendre, on pourra se parler. Tu l'aimes? Il n'y a que toi qui semble être amoureux. Parce qu'elle a été très claire. Miguel, Miguel, je t'en prie, ouvre un peu les yeux. Regarde-moi, mon amour. Tu sais bien qu'on était heureux tous les deux. Il faut juste un peu de temps pour qu'on s'entende comme non. avant. Non, 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 Isadora. C'est impossible de s'entendre avec toi. Alors je te le répète encore une fois. Tu ne me sépareras jamais de Valentina. C'est d'accord, c'est d'accord. La décision est entre tes mains. Si tu t'éloignes de cette femme, tu garderas ta fille. Mais si tu continues, Miguel, eh bien, tu ne verras plus Valentina de toute ta vie. Isabelle, c'est vrai que je me suis mariée avec Viviana sans l'aimer. Mais tu sais qui j'aime vraiment. S'il te plaît. Excuse-moi, mais tu sais bien que c'est Miguel qui a fait douter Viviana et tous les autres. Figure-toi qu'il lui a fait croire que je me suis mariée avec elle juste pour ses actions. Et elle a trouvé ça parfaitement logique. Alors que c'est totalement faux, Isabelle. Parce que je n'en ai rien à faire de l'argent, des actions, du pouvoir et alors du reste. Alors il faut que tu le prouves, Raimondo. Écoute. Là-bas, chez moi, en Colombie, bien sûr, on dit que le mariage, c'est beaucoup de concessions. Tu veux le prouver? Renonce à tes actions. Mais oui, Ray, si tu fais ça, tu pourras prouver à ta femme que tu es avec elle pour ce qu'elle est vraiment et pas pour son argent. Non, Isabelle, comment t'expliquer ça? Ah oui, ah oui, ah oui, comment n'y ai-je pas pensé avant? Tu es tout aussi belle qu'intelligente. Tu sais quoi? J'aurais dû me marier avec toi. Ah, tu ne laisses jamais passer la moindre opportunité, toi. Ah. Viens. Allô? Madame Isabelle, vous avez un appel. Et cette personne n'a pas voulu donner son nom. J'apprends, passez-la moi. Allô? Barbarita? Ah. Excuse-moi. J'aimerais que tu me laisses seule. Ah oui, ma belle. Maman? Mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Je suis au café juste à côté de ton travail, ma chérie. Tu peux venir un instant? J'ai besoin de te parler tout de suite. Mais qu'est-ce que tu as dans la tête, mon Dieu? Est-ce qu'à ton avis, tout ça est logique? Miguel, je... Oh, mon amour, je voudrais que tout soit comme avant. Comme avant. C'était bien. Tu étais tout le temps en voyage, à la poursuite du succès. Tu pensais seulement à toi, il n'y a personne d'autre. Avec un ex-mari et une petite fille que tu laissais, tout seul. Et tu manipulais tout le monde pour ta carrière. Ça suffit. Maintenant, tu dois choisir. Ton chantage ne m'impressionne pas, Isadora. Alors tu vas perdre Valentina, Miguel.
parce que j'ai parlé avec mes avocats et ils disent que c'est toi qui as tout à perdre. Moi aussi, j'ai des avocats. Et si tu veux te battre pour la garde de Valentina, alors toi et moi, on n'a absolument plus rien à se dire. On se retrouvera devant le tribunal. Alors je vais garder Valentina. Je vivrai avec ma fille, Miguel. Et toi, tu seras l'unique responsable de toutes les séquelles qu'un jugement aura sur elle. Alors, réfléchis. Ma chérie. Oh, je suis heureuse de te revoir. Moi aussi, je suis heureuse, ma chérie. Dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive, maman? Pourquoi est-ce que tu veux me voir? Non, je ne veux pas parler de ce qui m'arrive, mais de ce qui t'arrive. Pourquoi tu fais cette tête, ma chérie? Ah, non, c'est pas grave, maman. C'est toujours pareil, c'est parce que... Je te l'ai dit, je suis toute embrouillée à cause de cette vie qui n'est pas la mienne. Je suis très fatiguée d'être une autre personne, tu sais, maman. Je sais, ma fille, je sais que ça ne doit pas être facile pour toi. Je te comprends, mon amour. Tu sais que tu es en danger, et puis avec Wilfried qui est près de nous et qui te cherche... À chaque fois que je prononce son nom, j'ai mon cœur qui s'arrête. Pour l'instant, il faut faire comme ça, ma chérie. Oh, ma chérie, prends-en un petit peu, s'il non te plaît. S'il te plaît, Valentina. J'en veux pas. Oh, qui ça peut être? Attends-moi une seconde. Monsieur Miguel, mais pourquoi vous avez sonné? J'ai oublié mes clés, Nancy. Oh, donnez-moi ça. Parfait, vous arrivez bien parce que Valentina n'arrête pas de pleurer et je ne sais pas quoi faire. Vraiment, je ne sais pas quoi faire. Papa! Ma princesse, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu n'enlèves pas tes affaires de danse? Oh, toi, tu m'as l'air d'être très, très triste, hein? Est-ce que je me trompe, ma chérie? Allez, raconte-moi. Dis-moi comment ça s'est passé, ton cours de danse. Vas-y, raconte-moi. C'était triste, papa, parce que j'ai dit au revoir à toutes mes amies. Je ne veux pas vivre en Italie. Ah, oh, monsieur Miguel, imaginez un peu. Elle se figure que si elle enlève ses affaires de danse, alors elle ne pourra plus jamais revoir ses amis. Vous imaginez ça? Non, ma belle princesse, ne pleure plus, d'accord? Sinon, je vais demander qu'on m'apporte tout de suite le verre à larmes pour que tu le remplisses. Non, pas le verre à larmes. Ah, si, le verre à larmes. Non, si, s'il te plaît, tu veux bien aller le chercher? Je vais le chercher tout de suite. Non, papa, pas le verre à larmes, non. Je ne veux pas du tout. Mais pourquoi tu ne veux pas? On va remplir le verre à larmes juste un tout petit peu pour voir. Nancy. Voilà le verre à larmes. Formidable. Tu vois, ça c'est notre verre spécial larmes. Alors tu donnes tes larmes, plus. Donne tes larmes, s'il te plaît, Valentina. Donne-moi beaucoup de tes larmes parce que Nancy et moi, on va se faire un jus délicieux avec tes larmes. Hein? N'est-ce pas, Nancy? Oui, monsieur. Oui, allez. Tu es très gentil, papa. Qui viendra m'apporter le verre à larmes quand j'habiterai en Italie? Je ne veux pas vivre sans toi. Je ne veux pas, papa, je ne veux pas. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Qu'est-ce que papa vous a encore fait? Eh bien, mon amour, enfin, je ne sais pas comment te dire ça. Eh bien, J'ai trouvé ton père occupé avec une autre femme. Qu'est-ce que tu racontes? Cette femme se trouvait pratiquement sur ton père. Alors, quand je les ai surpris tous les deux, il m'a raconté, pour s'en sortir, qu'elle est la femme de Chouot. Elle m'a dit la même chose et après il m'a dit qu'en fait elle est la veuve de Ephraim Melendez. Tu te rends compte, la veuve de Melendez ici? Et c'est ton papa que j'ai surpris avec cette femme? Mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'il a dans la tête, papa, enfin? Il a pas le droit de te faire ça. Ah, oh, est-ce que je verrai un jour Jean de Dieu commencer à comprendre quelque chose? Écoute, maman, tu ne peux pas accepter ça, ne le laisse pas faire, maman, ne te laisse pas faire. Ah, oh, ma chérie, je suis désolée. Franchement, excuse-moi de venir t'ennuyer comme ça avec ce genre de choses. Ce sont mes problèmes et je ne devrais pas le dire parce que tu as déjà tes problèmes. Mais c'est parce que je me sens tellement seule et que tu me manques beaucoup, mon amour. Ah, maman, tu n'as vraiment pas à me demander pardon pour ça. Et toi aussi, tu sais très bien que tu me manques beaucoup. Ce qui me manque, c'est quand tu m'enlaces et que tu me racontes des histoires si gentiment. Ça me manque tellement, cette joie d'être en famille, maman. Mais enfin, au moins j'ai Climaco près de moi quand je m'inquiète. Et maintenant, il y a Tabata qui... Tabata? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis sur Tabata? Ah,
Écoute, maman, ne t'énerve pas, s'il te plaît. Eh bien, je veux te dire que... que Tabata est venue au bureau me voir et qu'elle m'a demandé du travail. Qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est pas vrai, cette fille est aussi imprudente que son papa. Ils ne pensent qu'à eux seuls, ce sont des égoïstes. C'est pas possible. Oh mon Dieu. Je vais lui parler dès que j'arrive à la maison et elle va m'entendre. Regarde ce que je t'ai apporté. Qu'est-ce que c'est, Valentina? Regarde. Regarde. Oh, Valentina, c'était exactement ce que tu voulais. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Tu te souviens que tu me l'avais demandé? Voilà, j'ai exaucé tes vœux. Je ne veux plus jamais danser, ni aller à l'école, ni manger, je ne peux plus rien faire. Mais non, 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 ma petite princesse, non, ne pleure pas comme ça. Écoute, toi et moi, on va faire un pacte, hein? Tu prends ton repas, tu acceptes ces chaussons pour tes cours de danse, et je vais me charger d'arranger tout ça. Je vais parler avec ta maman, et je t'assure que tout va s'arranger, d'accord? Ça ne va rien changer, papa. Maman veut partir loin parce que tu ne l'aimes plus, parce que tu as arrêté de l'aimer. Non, 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 ma princesse, ne dis pas ça. J'aime beaucoup ta maman. C'est à cause d'Isabelle, c'est ça? C'est à cause d'elle. Je n'arrive pas à le croire. Je lui ai demandé de trouver un travail, c'est vrai. Mais je ne... Oh mon Dieu, il faut qu'elle travaille parce que c'est elle qui doit payer l'école de Grégory. Parce qu'on a trouvé une école pour Grégory. Et c'est la même école que la petite fille, tu sais. Une école pour Grégory? Mais quelle école, maman? Et comment est-ce que vous allez payer tout ça? Mais tu ne sais pas, ma chérie. Ah, tu ne sais pas. Eh bien, c'est Monsieur Aristigueta. C'est... Merci. Miguel Aristigueta. Ah, eh bien, enfin, il semble si gentil. Je ne le connais pourtant pas, mais il... comme il a vu que Grégory aide souvent sa fille à faire ses mathématiques, eh bien, lui, il a voulu payer pour l'école de Grégory. Mais alors... Mais enfin, pourquoi? Écoute, ma chérie, j'ai accepté... Parce qu'on n'a pas suffisamment d'argent à la maison, et tu le sais bien, enfin. Et puis, il faut que l'on travaille, il faut que l'on travaille pour élever cet enfant, parce que c'est un enfant très intelligent, ma chérie. Ah, c'est si gentil. Il va aider Grégory. Il va aider Tabata. Oh, tu es si bon, Miguel. Oh, mon adorable amour. Barbarita, chérie. Dis-moi la vérité. Tu aimes cet homme? Non, ma belle. Ce n'est pas bien de tomber amoureux d'une personne si différente de soi, ma chérie. Tu sais que ce n'est pas possible. Et comment faire, maman? Comment je fais pour le sortir de mon cœur? C'est un sentiment très fort, maman. Écoute, écoute-moi. Je te jure que j'ai déjà essayé, mais je... Je n'y arrive pas. Je l'aime tellement, maman. Je l'aime. Negra blanca, blanca o negra, pero siempre consentida. Es como el fuego que se mete por las venas. Es agua pura que me corre por la piel. Es como ver nacer. Ella estalla en mil colores, hay mil fuegos en su piel. Es la fusión perfecta y justa de mi tierra. Ella es la unión entre el amor y el desamor. El eslabón que le faltaba a mi cadena. Ella puede con mi vida ser.